Voguant à travers le monde vidéoludique depuis bientôt 20 ans, One Piece n'avait jamais eu droit à un monde ouvert afin de laisser s'exprimer toute la créativité de Eiichiro Oda, son génial créateur. C'est désormais chose faite avec One Piece World Seeker. Toutefois, aussi vaste soit-il, un immense terrain de jeu n'est qu'une coquille vide sans contenu digne de ce nom pour le remplir. Est-ce le cas avec le titre de Gambarion ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir en l'espace de 3 minutes. Profitant de l'implication du maître qui nous offre ici Jeanne et Isaac, deux nouveaux personnages autour desquels gravite l'histoire principale, One Piece World Seeker a tous des fileurs de luxe, voyant Luffy et ses nakamas débarquer sur l'île prison, attirés par la promesse d'un trésor. Très vite, si les choses ne tardent pas à se mettre en place, avec notamment l'arrivée d'une kyrielle d'amiraux synonyme d'affrontement sous couvert d'un fanservice omniprésent, le titre, tout aussi agréable à l'œil soit-il, peine à masquer ses carences. Ainsi, à mesure qu'on progresse dans le scénario, assez convenu pour qui connaît le manga ou l'anime, on se rend vite compte que les quêtes, principales et secondaires, sont toutes construites dans le même moule. On devra alors, plus d'une vingtaine d'heures durant, récolter divers matériaux, trouver des individus et enfin combattre plusieurs adversaires gagnant progressivement en puissance, ainsi que des boss. Difficile, dans ce cas, de s'impliquer émotionnellement, qu'on soit fan ou non de l'univers ici réduit à une île, certes découpée en zones, mais manquant cruellement de fantaisie et d'âme. On plongera alors dans le système de jeu afin de minimiser cette impression de redondance inhérente à la progression. C'est le système de combat qui comblera en partie cette attente via une maniabilité agréable nous permettant de sortir facilement coups spéciaux, tirs à distance tout en usant de deux modes, offensif et perceptif, afin de s'adapter aux différents types d'ennemis en privilégiant la vitesse ou la puissance. Malheureusement, tout intuitif soit-il, le système manque de coups, d'autant qu'aucun combo n'est par exemple permis. Il faudra se contenter de débloquer le plus rapidement possible les aptitudes à disposition afin de varier quelque peu les plaisirs et surtout d'être suffisamment puissant pour ne pas enchaîner les game over en normal, deuxième des 5 modes de difficulté disponibles. On pourra également s'attarder sur le système de craft afin de débloquer des costumes alternatifs, mais aussi et surtout des objets augmentant nos stats. Cependant, le ressenti en combat n'étant pas vraiment significatif, hormis pour les points de vie, on délaissera cet aspect, réclamant qui plus est d'envoyer en expédition nos compagnons afin qu'ils nous ramènent les matériaux nous faisant défaut, pour se focaliser sur les missions en proprement parler, histoire d'engranger les points de compétences indispensables pour l'obtention de nouvelles capacités. L'embêtant est que One Piece World Seeker s'articule fortement autour de ce craft, et donc des plans ou matériaux à dénicher dans des coffres disséminés un peu partout dans le monde, avant de pouvoir demander à Usopp et Franky de nouveaux équipements. A ce sujet, on regrettera la place de l'équipage de Luffy, ici réduit à faire de la figuration, de manière passive sur le Thousand Sunny, ou en nous donnant certaines quêtes. Frustrant, tout comme l'aspect infiltration, assez anecdotique et jamais vraiment utilisé de manière convaincante. On se retrouvera alors assez vite face à ce monde, plutôt joli, mais complètement vide, dans lequel on passera son temps à se téléporter d'un bout à l'autre de la map pour conclure l'émission. Nantie d'une bonne durée de vie, d'effets spéciaux maîtrisés et d'une mise en scène efficace lors de l'utilisation d'attaques spéciales, le jeu avait un bon potentiel pour s'imposer. Malheureusement, le manque d'ambition des développeurs se fait ressentir à des degrés divers, d'un système de karma peu utile à une approche minimaliste et redondante du genre aventure, en passant par un fanservice parfois intégré à l'histoire en dépit du bon sens. Dommage, nous attendions un jeu à même de rendre un vibrant hommage à cette œuvre culte, nous n'aurons finalement droit qu'à une esquisse de ce qui aurait pu être un très bon jeu avec un temps de gestation plus long. On devra s'en satisfaire en espérant tout de même voir se profiler à l'horizon une suite, gommant tous les défauts de ce premier jet et ne demandant qu'à pleinement profiter d'un matériau de base aussi riche que dense.